¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Bonsoir les amis, bienvenue à votre programme Dialogue Divin. On est heureux d'accueillir le docteur Tomasini avec nous, comme d'habitude. Et maintenant, nous allons commencer. Nous avons vu beaucoup de thèmes. Des thèmes tous en relation avec la divine volonté, qui est notre finalité. Parfois, on est obligé de toucher des choses un petit peu parallèles. Mais si on parle de vivre dans la divine volonté, en ces temps qui sont un temps de grâce, une opportunité extraordinaire, où nous nous concentrons, nous nous approchons dans cet apprentissage de nous fondre dans la divine volonté. Donc nous voulons toucher ce thème parce que c'est un thème important. C'est le thème du rien, de la nada, du néant. Jésus revient très souvent et il nous dit qu'il nous faut arriver à ce néant, à ce rien. Voilà. Et que c'est le point de départ pour arriver et vivre dans la divine volonté. Donc nous allons toucher le silence intérieur. Nous voulons aussi toucher le thème du corps. Le corps, la matière nous aide, nous sert pour aller plus loin. Et faire beaucoup plus d'actes et générer des vies en nous. Et pas seulement le spirituel, mais aussi le matériel, la dimension matérielle nous sert. Et à la fin, nous terminerons avec cette transformation de la volonté humaine dans la volonté divine. Voilà un peu la progression de cet enseignement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce rien, ce néant? C'est une question, très facile et très difficile. Qu'est-ce que c'est? Bon, on va dire, c'est rien. Voilà, le rien, c'est rien, mais on n'a rien compris non plus. Donc, alors, est-ce que c'est un vide où il n'y a même pas de récipient qui existe? Comment peut-on arriver à elle? Par un effort de la volonté? Non. Il y a une vertu qui est l'humilité, qui, on pourrait dire que déjà, c'est le début, elle nous met sur le chemin pour arriver à ce rien. Mais la vertu, l'humilité, c'est aussi un gain. C'est un gain de la volonté humaine. Donc, l'âme va être en possession de cette vertu, en possession voilà, de la vertu de l'humilité. Et alors, maintenant, la personne est humble. Et Jésus nous dit que sa volonté ne tolère rien. Rien, aucun acte de la volonté humaine. Donc, le fait de gagner une vertu, on va gagner un obstacle pour nous unir, pour unir notre volonté humaine à la divine volonté. Bon. Donc, que devons-nous faire? Quel chemin prendre pour arriver à ce rien? Ce n'est pas nous perdre en Dieu non plus. Attention, parce qu'on pourrait penser que c'est arriver à se perdre dans la divinité. Et ce n'est pas cela, et ce n'est pas ce que Dieu veut non plus. Arriver à notre rien, c'est, on peut dire déjà dès maintenant, il faut considérer que Dieu m'a donné une volonté libre avec une identité spécifique et c'est à partir de cette identité que je dois agir dans ce rien. Hein? Bon, peut-être c'est encore plus compliqué maintenant, mais enfin bon, on va voir. Qu'est-ce que veut Dieu? Que veut-il de chacun de nous? Il veut une relation d'amour entre lui et sa créature, nous. Parce que c'est au sein de cette relation, il va avoir une multiplication de vie divine, il va pouvoir vivre sa propre vie, dans cette ad extra, dans une créature.
et cela vivre sa propre vie. Dans ses enfants, chacun de nous, ça va lui donner honneur, gloire. Et c'est ça la finalité principale que Dieu a. Mais pour arriver à cela, il faut que ce soit d'abord des créatures individuelles, des créatures libres, car Dieu ne peut pas prendre le contrôle de notre vie, sinon nous deviendrions des pantins. Bon. Donc, notre volonté libre, elle est donnée par Dieu avec ses caractéristiques pour que, depuis notre liberté, notre individualité, nous pouvons assumer la partie divine et agir indépendamment, mais avec tout ce qui est du divin, appartient au divin, pour arriver à une vie ressemblante à la sienne. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, maintenant, nous avons un petit peu posé ce panorama. Maintenant, il faut se rappeler que dans tout le créé, les attributs de Dieu sont manifestés. Saint Paul le dit dans la lettre aux Romains. Hein. Dans tout le créé, il y a un reflet des attributs de Dieu. Donc, je pose une question. Quel attribut doit se refléter dans l'homme qui est le chef-d'œuvre, hein, nous qui sommes les rois de la création, hein, la plus grande et la plus belle œuvre que Dieu a faite dans la création. Donc, nous devons avoir dans notre intérieur beaucoup plus de... Comment dirais-je? Oui, plus d'attributs que dans toute la création, bien sûr. Parce que le roi doit avoir tout ce qu'ont les sujets, et même plus. Donc avec ça, nous commençons à comprendre qu'arriver à notre rien, ce n'est pas seulement nous enlever, mais c'est acquérir ce que Dieu nous avait donné quand il nous avait créés. Donc, un exemple très, très simple, clair, par exemple, dans les anges, Dieu les avait dotés avec certains actes de sa volonté, pour qu'ils vivent de ses actes, connaissance de sa volonté. Et le plus élevé de tous les anges, hein, qui était Lucifer, qui pour une raison d'orgueil en lui, n'a pas accepté ce que Dieu lui donnait, et il a voulu être le plus grand, parce qu'il se voyait avec tellement de dons, hein, qu'il voulait être égal de Dieu. Il a eu cette envie, hein, cette jalousie envers l'homme, nous connaissons plus ou moins l'histoire, hein. En fait, d'être le plus grand, le plus rempli des dons de Dieu, de la grâce de Dieu, est devenu celui qui a tout perdu, hein, tout ce que Dieu lui avait donné. Il a tout perdu. Qu'est-ce que nous voulons dire avec cela? On a été créé avec une richesse infinie de ressemblance avec Dieu. En nous, se reflétaient tous les dons, tous les attributs de Dieu, parce que il a voulu ainsi. Nous sommes la créature parfaite, le sommet de la création, dans laquelle il devait développer sa propre vie. Donc, en nous, donc, doit exister forcément tout ce que lui possède pour qu'il puisse développer sa vie en nous sans problème. Voilà. Hein? Il ne s'agit pas d'un Dieu qui va diminuer en venant chez nous. C'est un Dieu qui va élever la nature humaine à sa hauteur pour qu'il puisse vivre
en nous, sans aucune gêne, sans aucune déficience, voilà. Jamais nous pourrons arriver à atteindre la totalité de Dieu, que ça soit ça soit très clair. Jamais nous n'arriverons à embrasser la totalité de ce Dieu. Même Jésus n'a pas pu le faire, il le dit. Cependant, Dieu a des choses incroyables, évidemment. Il dit que quand il nous a créés, il voulait nous doter, nous donner son être divin, mais que cet être divin ne pouvait pas être contenu par nous, puisqu'il est infini et que nous sommes des êtres finis. Et c'est pour cela, dit-il, que je vous ai donné ma vie et ma volonté pour que vous puissiez faire grandir cette vie jusqu'où vous le vouliez. Et c'est-à-dire qu'il ne nous a pas donné de limites. Il faut définir sa vie. Il définit que tous ses attributs ensemble, immergés dans la mer de l'amour et mis en acte par sa divine volonté, c'est la vie divine. Donc quand il nous donne sa vie, il nous donne tous ses attributs dans la mer immense de son amour. Et nous, en ayant maintenant la volonté divine qu'il nous donne, nous pouvons mettre en marche tout cela et développer la vie divine jusqu'où nous le voulons. Bon. La développer en nous, pas en elle. Elle est complète en elle, la vie divine, mais en nous. Nous pouvons la faire grandir dans notre intérieur jusqu'où nous voulons. Bon. Mais il dit quelque chose de très curieux. Il dit, ma volonté gère, contient tout mon être. Son être, pour être des êtres finis, on ne peut pas embrasser tout son être, on ne peut pas le contenir. Mais il m'a donné sa volonté, et sa volonté gère tout son être. Donc c'est comme si j'avais l'être divin. Je ne sais pas si on comprend ça là. C'est extraordinaire, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Mon être ne peut pas être contenu par toi, mais je te donne ma volonté pour que tu fasses grandir ma vie, mais en même temps, pour que tu aies la possibilité d'agir à travers mon être. L'être de Dieu, reprenons, est toujours en disposition vers l'homme, en attitude vers l'homme. L'homme le prend, le fait sien, à travers la divine volonté, par la divine volonté, et tout cet être maintenant, nous le mettons en marche pour Dieu. Et ça, c'est la parfaite correspondance. Nous l'offrons à Dieu. Voilà, nous donnons Dieu à Dieu. Bon, c'est incroyable ce que nous disons, hein. C'est vrai. C'est... Bon. Tous les attributs de Dieu, lesquels nous en connaissons quelques-uns, mais une misère, la bonté, l'impassibilité, la sainteté, la pureté, l'amour, voilà, je suis fatigué, la beauté, la puissance, nous n'avons pas idée du nombre des attributs de Dieu, hein. Et c'est pour cela que Dieu nous a créés. Il nous a donné tous ces attributs. Il nous a donné, alors maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Pourquoi je dois arriver à mon néant, à mon rien? Parce que pour que Dieu puisse être en nous, il ne faut rien avoir. C'est ça, exactement. Tout de Dieu est infini. Mais l'infini ne peut entrer en rien, sauf dans le rien. S'il y a quelque chose aussi petit soit-il, empêche le tout de remplir ce rien. Donc le tout ne peut pas rentrer. Voilà. C'est même la chose la plus petite, elle ne peut pas rentrer. Donc il faut le rien. Il faut le rien. Bon. Et rien, c'est-à-dire rien. Aucune œuvre, aucun acte, aucun désir, aucune pensée, rien, rien qui sorte de ma volonté sans l'union avec tout ce que Dieu nous a donné. Ça, c'est le rien de l'homme. On pourrait dire, au lieu d'arriver à notre rien, arriver à atteindre notre vraie richesse, arriver à la
totalité de notre richesse, à notre infinitude, à tout ce que Dieu a pour nous, tout ce que Dieu veut nous donner. Mais attention, sans mettre ce qui est à nous. Si je mets ce qui est à moi, je perds tout. Et alors là, je reste dans le rien, c'est sûr, mais dans le rien sans Dieu, hein, avec seulement l'humain que je peux faire, tout ce que je peux faire d'humain, mais si je me rappelle la sentence du paradis, tout ce que j'ai en moi me conduit à la mort, cède à la mort. Hein. Bon, alors, maintenant, notre corps. Pareil, parce que maintenant nous parlons de l'intérieur de la dimension spirituelle, mais le corps, notre corps nous a été donné aussi comme une aide pour pouvoir réaliser, d'abord pour vivre dans un monde matériel. Nous avons besoin d'un corps matériel, bien sûr, mais en même temps, c'est pour pouvoir donner à Dieu plus d'actes, plus de gloire, plus d'amour, plus développer tout ce que le divin contient dans chaque acte de notre humanité. Si on pouvait donner à Dieu seulement des choses spirituelles, dit Jésus, on lui donnerait très peu. Donc, il nous donne un corps, nous avons un corps avec cette finalité de donner plus d'actes, plus de gloire, plus de louanges, plus d'adoration, plus d'amour dans chaque acte. Voilà, et puis nous avons aussi l'union, hein, nous l'avons vu. Voilà, j'unis son battement à mon cœur, j'unis sa parole à ma bouche, j'unis son pas à mes pieds, son œuvre à mes mains, sa respiration à mes poumons. Enfin, toutes nos œuvres, toutes les fonctions de notre corps sont et s'harmonisent avec le divin, avec Dieu. Hein. De tout, avec tout cela fait partie de Dieu. Hein. Même la partie physique, la partie matérielle, nous appartient. Tout est à lui. Donc, on peut penser à un Dieu qui est loin ? Non. Mais en aucune manière nous pouvons penser que Dieu est loin. C'est nous qui l'éloignons parce qu'on sort et on ne lui laisse pas d'entrer. Et c'est ça. C'est ce qui nous a fait tomber toujours plus et toujours plus dans ce monde de péché. Mais ça n'était pas comme ça au début. Quand on comprend ça, maintenant, on a l'idée de qu'est-ce que c'est qu'arriver à notre rien. C'est enlever ce qui est humain, toute la partie humaine, toutes nos actions sans l'union à la volonté divine et acquérir cette richesse infinie de Dieu, cette richesse que Dieu nous a donnée au moment où il nous a créés. Donc, ce n'est pas nous dépouiller de tout, c'est plutôt nous remplir de tout, nous remplir de tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il a pour nous. On peut, nous aussi, reconnaître que tout nous a été donné, tout le matériel, tout le spirituel, même les dons et tout ça, tout nous a été donné par Dieu, parce que d'où allons-nous sortir toutes ces choses? Oui, bien sûr, nous allons lire quelques passages, et avant, on peut déjà dire qu'une autre chose requise est indispensable pour vivre dans la divine volonté est la vraie humilité, qui n'est rien d'autre que la reconnaissance de notre rien. Jésus le répète bien souvent, et Louisa aussi. Arriver à son rien. Donc, la vraie humilité, il faut arriver à ça.
arriver à son rien. Ensuite, Jésus dit, toutes mes œuvres sont formées sur le rien, et c'est pour cela que le tout peut faire ce qu'il veut. C'est pour cela que Jésus insiste sur cela dès son début de son œuvre avec Louisa, et tout au long de sa vie, il va insister sur ce point. Nous allons voir quelques passages maintenant. Volume 3, 20 mai 1900. Me trouvant hors de mon corps, il me sembla que nous étions dans la nuit. J'ai vu l'univers entier, l'ordre parfait de la nature, le ciel étoilé, le silence de la nuit. Il me semblait que tout avait une signification. Pendant que je contemplais cela, il me sembla voir notre Seigneur qui, prenant la parole sur ce que je voyais, me dit « Toute la nature invite au repos. » Mais quel est le vrai repos? C'est le repos intérieur, le silence de tout ce qui n'est pas Dieu. Tu vois les étoiles scintiller d'une lumière modérée, pas éblouissante comme celle du soleil, le silence de toute la nature, du genre humain, des hommes et des animaux. Tous cherchent une place, un refuge, où être en silence et se reposer de la fatigue de la vie. Si cela est nécessaire pour le corps, combien plus pour l'âme? Il est nécessaire de se reposer dans son propre centre pour l'âme, qui est Dieu. Mais pour pouvoir le faire, le silence intérieur est nécessaire, au même titre que pour le corps. Voilà, ça nous en avons parlé. Nous en avons parlé, arriver à ce silence intérieur. Dieu, on le trouve dans le silence. Et c'est impossible autrement. Pour avoir une intimité avec Dieu, il faut cet espace du silence. Jamais dans le bruit, dans l'exaltation, toutes ces manifestations extérieures, hein, de grandes effusions, etc., tout ça, tout ce que vous voulez, qui sont bien, mais bon, nous dispersent de cet intérieur. Et ça, déjà, Jésus nous l'enseigne dans l'Évangile. Quand tu veux prier ton Père, entre dans ta chambre, hein, dans le secret, dans ton intérieur, ferme la porte. Et ici, tu trouveras ton Père dans le secret. Il nous a jamais dit dans l'extérieur. Hein. Pensons à Élie aussi. Bon, dans l'œuvre de Maria Valtorta, Jésus dit que dans la partie extérieure, il faudrait être un géant spirituellement, dans la partie extérieure. Et vous, vous êtes des pygmées. Hein. Et nous, on est des pygmées de pygmées. Hein? Voilà, donc c'est très important. Dans le bruit, l'agitation nous distrait de toute manière. Hein? Et c'est ça, c'est nécessaire. C'est ça que dit Jésus ici. C'est nécessaire, hein? Il est nécessaire ce repos, ce silence intérieur. Voilà. Comme le corps est nécessaire le silence extérieur pour pouvoir se placidamente adormecer. Au même titre que pour le corps, le silence extérieur est nécessaire afin de pouvoir dormir paisiblement. En quoi donc consiste ce silence intérieur? À faire taire ses passions, en les tenant en échec, à imposer le silence à ses désirs, ses inclinations et ses sentiments, en somme à tout ce qui n'est pas Dieu. Et quel est le moyen de parvenir à cela? Le moyen unique et indispensable est de démolir son être selon la nature en le réduisant à rien, comme c'était sa situation avant qu'il soit créé. Et quand il a été réduit à rien, il faut le recouvrer en Dieu. C'est ce que nous avons dit. Nous arrivons à notre rien en enlevant tout ce qui est à nous, hein, tous mes désirs, mes ambitions, mes illusions, tout ce qui est humain, pour reprendre toute cette richesse que Dieu m'a donnée au moment où il m'a créé. Et pour cela, pour arriver à ce point, quand il dit de défaire du propre, démolir notre être, ce n'est pas de disparaître, de se diluer en lui. Non, c'est enlever tout ce qui est humain, tout ce que nous avons ajouté d'humain tout au long de notre vie et qui est contraire à Dieu, pour arriver à ce point d'union
avec tout ce que lui nous a donné. Vous comprenez? Et il dit, ma fille, toute chose a commencé dans le néant. Même cette grande machine de l'univers que tu regardes et qui a tant d'ordre, si avant d'avoir été créée, elle avait été quelque chose, je n'aurais pas pu y faire intervenir ma main créatrice pour la créer avec une telle maîtrise, si parée et splendide. J'aurais eu à défaire d'abord tout ce qui aurait existé avant, puis à tout refaire comme il m'aurait plu. Tous mes travaux dans l'âme débutent à partir du néant. Quand il y a un mélange d'autres choses, ce n'est pas convenable pour ma... pour ma majesté d'y descendre et d'y travailler. Hein? Ça ne convient pas à la majesté de Dieu, voyez? Ça, c'est très important. Ce n'est pas convenable, voyez? Il le met là d'une manière générale, le Seigneur. Quand il y a un mélange d'autres choses, hein? C'est-à-dire qu'il n'y a pas le rien, il n'y a pas le rien. Ce n'est pas convenable, ça ne convient pas pour le Seigneur, pour sa majesté, pour sa grandeur de descendre et d'œuvrer dans cette âme. Il peut descendre pour habiter, pour cohabiter. Il peut même, la Trinité peut avoir une inhabitation de la Trinité dans l'âme, mais il faut ce rien. Ce détachement total de tout. Mais quand l'âme est réduite à rien, son néant, et qu'elle vient vers moi, plaçant son être dans le mien, alors je travaille comme le Dieu que je suis et elle trouve son vrai repos. Voilà comment toutes les vertus ont leur principe dans la véritable humilité et dans l'anéantissement de soi-même. Nous allons à une autre lecture qui est très claire et qui définitivement ne nous permet pas de douter. Et elle nous dit exactement ce que lui veut faire, ce que Dieu veut faire sans nous. Sans nous. C'est difficile à comprendre, c'est vrai, parce que d'abord, ce n'est pas compréhensible. Après, le mettre en pratique, encore moins. Et si je ne le comprends pas, évidemment, c'est difficile à mettre en pratique. Mais pour arriver à le mettre en pratique, il faudrait ma volonté. Et c'est justement ce qu'il ne veut pas, ce que le Seigneur ne veut pas. Donc pour arriver à ça, nous ne devons jamais essayer de faire les choses par nous-mêmes. Jamais. Parce que si nous essayons de les faire par nous-mêmes, nous mettrons en jeu notre volonté. Et donc, il y aura un obstacle à ce que la divine volonté vienne œuvrer en nous. Donc, toute notre attention, nous devons la mettre à penser seulement à sa volonté, donner vie à sa volonté en nous, que ce soit lui, elle, qui nous remplisse de tout pour pouvoir mener à bien cette œuvre et être toujours, toujours avec cette attention que notre œuvre va s'associer à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre divine. Et l'œuvre divine peut faire, fait. Et l'œuvre donc que je suis en train de faire n'est pas limitée à ce que je suis en train de faire, de mener à bien. Cette œuvre, comme c'est une œuvre divine, s'étend. Elle s'étend, cette œuvre, à toutes les œuvres que Dieu a faites. Et là, nous concourons, nous travaillons avec, concourir, avec la création, nous concourons aussi au travail de la rédemption, et nous concourons aussi avec l'œuvre de la sanctification. Vous voyez, on prend toutes les créatures, surtout les créatures humaines, pour leur donner la possibilité de multiplier, la possibilité de multiplier un acte divin dans leurs propres actes. Enfin, c'est infini, hein, on pourrait, voilà. On va continuer cette lecture. Volume 3, 3 août 1900. Alors que j'étais dans mon état habituel, je cherchais mon bien-aimé Jésus.
Après une longue attente, il vint et me dit, « Ma fille, pourquoi me cherches-tu hors de toi-même, alors que tu pourrais facilement me trouver en toi-même ? Quand tu veux me trouver, entre en toi-même, atteins ton rien, ton néant, et là, vidé de toi-même, tu verras les fondations que l'être divin a établies en toi et la structure, la construction qu'il a érigée. Regarde et vois. » C'est incroyable. Non, j'allais continuer, mais le néant, comme il dit, en nous. Louisa est toujours avec l'idée de voir Jésus. Quand n'était pas Jésus, quand Jésus n'était pas là, présent, elle le cherchait, elle souffrait, etc. Ce que lui dit Jésus là, c'est se réfère à cela. Pourquoi me cherches-tu en dehors de toi ? Pourquoi me cherches-tu au dehors ? Je suis toujours à l'intérieur de toi, en toi. Mais la condition sine qua non, pour le trouver, il faut entrer en nous, arriver à notre rien, à notre néant, et là, sans nos œuvres faites par notre volonté, sans la volonté divine, désunie de la volonté divine, ici, nous allons le retrouver. Nous allons le trouver. Vous voyez, ça c'est la clé. Mais pour arriver à ça, quels efforts il nous faudra faire. Pourquoi ? Parce que jamais nous donnons crédit à la parole de Jésus. Pas de réflexion personnelle, comme le dit le livre 11. Il le veut, il va le faire. Il faut seulement nous disposer, nous abandonner, et c'est fait. Vous voyez ? Peut-être comme un commencement, nous pourrions dire, un chemin pour débuter, c'est la contemplation. Cette prière contemplative, cette prière où l'âme se laisse faire, se laisse aller vers Dieu, ne pense qu'à lui, ne se fixe qu'en lui, etc. etc. Ça serait un point de départ. Hein? Dans la divine volonté, nous avons toutes les œuvres de Dieu pour pouvoir nous fondre en elles et ne pas penser à nous, seulement nous laisser aller avec ce regard toujours sur lui, jamais sur nous, ni à l'extérieur, ni sur les autres, sur Dieu. Et c'est cela qui nous fera entrer dans cette absolue fusion, parfaite fusion avec la divinité, dans le bon sens du terme, hein, pas de panthéisme. Voilà. On continue avec la même lecture. J'ai regardé et j'ai vu des fondations solides et une construction avec de hauts murs atteignant le ciel. Ce qui me surprit le plus, c'était que le Seigneur avait fait ce beau travail sur mon néant et que les murs ne comportaient aucune ouverture. Une ouverture était pratiquée seulement dans la voûte, sur le toit, et elle donnait sur le ciel. Par cette ouverture, notre Seigneur pouvait être vu. J'étais complètement ébloui par ce que je voyais, et Jésus béni me dit, les fondations établies sur le néant signifient que la main de Dieu travaille là où il n'y a rien, et que jamais il n'appuie ses travaux sur les choses matérielles. Les murs sans ouverture signifient que l'âme ne doit accorder aucun regard aux choses du monde, afin qu'aucun danger ne puisse l'atteindre, pas même un peu de poussière. Le fait que la seule ouverture donne sur le ciel correspond au fait que la construction s'élève du néant jusqu'au ciel.
Toujours la même idée. Et quand on parle des murs sans portes et sans fenêtres, c'est que c'est fabriqué par Dieu et sans le travail de la créature. Hein? Donc, l'abandon et le dépouillement deviennent quelque chose de naturel. Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas une action. Hein? C'est quelque chose qui devient naturel en nous. Et la seule chose, la seule sortie, c'est le ciel. C'est le ciel parce que c'est là où c'est ouvert. Rien, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre qui donne sur les choses de la terre. C'est vers le haut, c'est le ciel. Et ça, on peut dire que ça correspond au silence intérieur. Ce silence intérieur qui vient d'un silence extérieur parce qu'il est créé, parce que rien ne peut pénétrer, c'est la porte et les fenêtres, il n'y en a pas. Hein, nos sens, hein, nos sens. Voilà. Nous, on perçoit le monde extérieur à travers ces portes. Les cinq sens et l'orgueil. Cinq sens matériels et ce sens intérieur qui naît à l'intérieur de l'âme et qui est une vapeur, une petite vapeur, dit Jésus, que nous devons dissiper, hein, parce que si nous ne le dissipons pas, cet orgueil ouvre les portes et les fenêtres. Et alors là, nous allons sortir. Et maintenant, ce que nous vivons, ça nous sert beaucoup pour nous intérioriser. Oui, c'est vrai. Nous vivons un moment très particulier, c'était le temps du Covid, que jamais tous ceux qui sont vivants aujourd'hui n'ont vécu avant. Il y a eu des pandémies, etc., mais difficilement ces personnes qui ont vécu ces choses-là, bon... n'existent, ne sont plus là aujourd'hui. Mais nous avons cette expérience incroyable hein, où maintenant, au lieu de nous plaindre d'être enfermés, d'être en quarantaine, etc., nous devrions nous réjouir parce que c'est vraiment un moment où nous pouvons vraiment nous intérioriser complètement. On va à la suivante, oui. Volume 4, 19. Février 1902. Ma fille, dans mon ministère public, l'usage de ma voix était nécessaire pour me faire entendre, mais dans mon ministère privé, mon unique présence suffit pour tout. Car me voir et comprendre l'harmonie de mes vertis pour les recopier en soi, c'est la même chose. Par conséquent, l'attention de l'âme doit être de me regarder et de se conformer en tout aux opérations intérieures du Verbe. Quand j'attire l'âme à moi, au moins pendant le temps où je la garde en ma présence, on peut dire qu'elle vit la vie divine. Ma lumière est comme un pinceau, mes vertus fournissent les différentes couleurs, et l'âme est comme une toile recevant l'image de Dieu. Il en est comme pour les monts élevés. Plus ils sont élevés, plus ils laissent tomber vers le bas avec impétuosité une pluie abondante. Ainsi, en ma présence, l'âme se met dans l'état qui lui convient, c'est-à-dire au bas, dans le néant, au point de se sentir anéantie. Alors la divinité fait pleuvoir sur elle la grâce par torrent au point de l'inonder, la transformant en la divinité elle-même. C'est pourquoi tu dois être contente de tout, contente si je parle et contente si je ne parle pas. Suivante, volume 8, 18 novembre 1907. Jésus me dit, « Ah, ma fille, tu t'affliges parce que tu te sens réduite à rien. À ce sujet, je te dis que plus une créature est réduite à rien, plus elle est remplie par le tout. Et s'il reste en elle ne fût-ce qu'une ombre d'elle-même, cette ombre m'empêche de me donner complètement à elle. Tes retours constants à ton néant signifient que tu perds ton être humain pour recouvrer l'être divin, pour acquérir l'être divin. C'est quelques lignes du livre 8. Hein, on est au début, où vraiment Jésus nous enseigne très clairement ce qu'il faut faire. Je veux préciser, on n'a pas lu les questions que vous avez posées, parce que je pense que cela est, ce que nous lisons est très, très important. Et si nous avons du temps, eh bien, on en lira quelques-unes. Mais c'est beaucoup plus important de continuer avec ces lectures pour affirmer
comprendre ce besoin, cette nécessité d'arriver à notre rien. Maintenant, dans ce renoncement à tout, nous l'avons dit, mais il faut le répéter, il faut renoncer même aux vertus. Parce que les vertus, comme nous l'avons vu, par exemple, comme l'humilité, c'est un gain de la volonté humaine. Jamais la vertu sera la vie de l'âme. La vertu devient quelque chose qui va nous embellir, quelque chose qui appartient à l'âme, mais elle va empêcher la vie dans la divine volonté. C'est pour ça que Jésus nous demande de renoncer même aux vertus. Hein? J'espère que les personnes qui ont des vertus peuvent comprendre ces choses-là. Malheureusement, quelquefois, bon, quand on n'a pas de vertu, on n'a pas besoin de renoncer à quelque chose. Hein. Mais voilà, c'est plus facile, hein. C'est un gain de ne pas avoir de vertu, vraiment. Mais on n'a pas besoin de lutter, hein, contre ces choses. Et ça vient, comme on dit, hein, ça vient un peu comme un anneau autour du doigt. Hein. Voilà. Voilà. Parce que nous avons toute la possibilité de ne pas être dérangés, de ne pas être obstaculisés par ces vertus, par ce qui nous appartient, ce qui est à nous. 11-25. Ce matin, après la communion, je disais à mon toujours aimable Jésus, à quel état je suis réduit? Il semble que tout m'échappe, souffrance, vertu, tout. Et Jésus, ma fille, qu'y a-t-il? Tu veux perdre du temps? Tu veux sortir de ton néant? Mets-toi à ta place dans ton néant, afin que le tout puisse garder sa place en toi. Sache cependant que tu dois mourir tout entière dans ma volonté, la souffrance, les vertus, tout. Mon vouloir doit être le tombeau de l'âme. Et de même que dans le tombeau, la nature se consume jusqu'à disparaître complètement, et de cette consommation même, elle ressuscitera une vie plus belle et nouvelle. Ainsi, l'âme ensevelie dans ma volonté, comme à l'intérieur d'un tombeau, mourra à la souffrance, à ses vertus, à ses biens spirituels, et ressuscitera en tout à la vie divine. Encore une fois, Jésus le répète, tu dois renoncer à tout. Tu dois mourir dans ma volonté. Tout, la souffrance, les vertus, tout cela doit être dans la tombe du divin vouloir. Voilà, bon, encore donc. Et ensuite, Jésus dit quelque chose qu'il faut lire aussi. Ah, ma fille, il semble que tu veuilles imiter les mondains qui sont portés à ce qui est temporel et qui finit, et ne tiennent pas compte de ce qui est éternel. Ma bien-aimée, pourquoi ne veux-tu pas apprendre à vivre seulement de mon vouloir? Pourquoi ne veux-tu pas vivre seulement de la vie du ciel, même en demeurant sur la terre? Mon vouloir est l'amour, lequel ne meurt jamais. Ainsi, pour toi, le sépulcre doit être ma volonté, et le couvercle qui doit t'enfermer, te sceller à la chaux, sans plus te donner l'espérance d'en sortir, c'est l'amour. Et de plus, chaque pensée qui se réfère à soi-même, fût-elle au sujet des vertus elles-mêmes, c'est toujours réaliser un gain pour soi-même et s'échapper de la vie divine. Tandis que si l'âme pense seulement à moi, fait attention seulement à moi, elle prend en elle la vie divine et en prenant la vie divine, elle échappe à la vie humaine et prend tous les biens possibles. Nous nous sommes compris? Oh, est-ce que nous avons compris, hein? Donc voilà, les conséquences de tout ça sont vraiment terribles pour nous. Parce que Dieu sortira de tout.
de nous. Ou plutôt, il ne pourra pas entrer. Si j'accepte tout cela de la volonté humaine, définitivement, je perds le tout, Dieu. Et on pourra arriver à la sainteté humaine, mais à la divine, jamais. Jamais, définitivement, non. On va à une autre lecture. 27 mai 1926. Ma fille, le fait que tu ressentes un peu plus ton néant ne s'oppose pas à la vie dans ma volonté. Bien au contraire, c'est ton devoir. Toutes mes œuvres se sont formées sur le néant. Le tout peut donc faire ce qu'il veut. C'est ton devoir d'arriver à ton néant. Elle se sentait, elle se plaignait de se sentir néant, rien. Et Jésus lui dit, c'est ton devoir. Et après, il continue. L'homme seul, seul l'homme voulut se passer de la volonté de son Créateur. Il voulut faire opérer son néant, se croyant bon à quelque chose. Et le tout, se sentant négligé par le néant, sorti de l'homme. Il se retrouva de supérieur à tous, en dessous de tous. Fais donc en sorte que ton néant soit toujours sous la coupe de ma volonté, si tu veux que l'unité de sa lumière opère en toi et rappelle à une nouvelle vie le but de la création. Quelquefois, on pense au démon, à Lucifer, on est stupéfait de voir qu'il avait tous les dons et que tout d'un coup, il est tombé, il a tout perdu. Et nous, finalement, nous avons fait la même chose. Le Père Dingo dit, le livre du ciel dit que vivre dans la divine volonté, c'est très simple. Ça consiste à appeler la divine volonté dans nos actes et disparaître en laissant la place à Dieu. Dieu est un gentleman. Tant qu'il trouve quelque chose en moi, il n'entre pas. Il respecte et il attend. Dieu a tout créé à partir du néant et il a envoyé le Rédempteur à partir du rien, du néant de Marie. Et il nous a sauvés par sa mort et sa résurrection. Et il est ressuscité de ce néant. Et il veut régner. Il veut régner dans l'Église à partir de ce rien de chacun de nous. Le règne de la divine volonté sera quand nous disparaîtrons de tout pour que le Christ soit tout en tous. C'est ça, mon Père, c'est ça. C'est le résumé de tout cela. Et cette fin que vous dites, à la fin ce que vous dites, il faut un petit peu le règne de la divine volonté. C'est quand nous aurons tous disparu en laissant ce qui est à nous, nous aurons fait disparaître tout ce qui est à nous et que le règne de Dieu s'établira en nous. Et ça, c'est le triomphe des cœurs de Jésus et Marie. Le triomphe du cœur immaculé de Marie, son triomphe, c'est nous conduire à ce point qui est le règne de la divine volonté en nous. Et ce jour-là, Marie triomphera, parce qu'elle aura amené tous ses enfants au cœur de son fils, jusqu'au cœur de son fils, pour qu'il puisse vivre sa vie, répéter sa vie en chacun de nous. Et Jésus se sentira pleinement payé, pleinement rétribué pour tout ce qu'il a fait, avoir les fruits de sa vie, de ses souffrances, mais maintenant, réellement, pas seulement ainsi d'une manière vraiment réelle, puisque nous serons tous, nous aurons et nous serons vie divine. Et à la fin, on ne sait pas quand est-ce que cela sera, quand le Christ se sera tout soumis. Comment? Avec cela. À partir du moment où chaque âme se soumet à la vie divine, à la divine volonté, chaque âme sera pratiquement soumise à Jésus, car elle répétera sa vie même. Et quand tout sera soumis à lui,
quand la création même lui sera soumise, car pour le moment, la créature a soumis la création à sa vie. Hein? Et si la créature se soumet à Jésus, la création va suivre aussi. Et donc, Jésus, à la fin, après avoir soumis tout, se soumettra au Père. Pour être, comme dit le Père, comme le Père disait, pour être, pour que Dieu soit tout en tous. Voilà. Et l'Évangile, je crois que nous avons besoin de comprendre cela. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu dans son Fils Jésus-Christ. Et son Fils Jésus-Christ, qui est vrai homme, a dû nous donner une preuve de tout ce dont nous avons parlé. Et je voudrais que nous voyions un peu que ce n'est pas séparé, ce n'est pas éloigné. Cette ressemblance avec Jésus va avec le fait de nous dépouiller de tout. Hein? On va lire quelque chose de ce que nous trouvons dans les évangiles, dans les lettres de Saint Paul. Jean 16, 12, 15. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même. Mais ce qu'il entendra, il le dira, et il vous expliquera les choses à venir. Lui me glorifiera. Declaración de Jesús, que es categórica. Hablará de lo mío. Il parlera de moi. L'Esprit Saint ne va pas parler de ce qui est à lui. Il va parler de ce qui est à Jésus, car c'est de mon bien qu'il recevra et il vous l'expliquera. Hein? Tout ce qu'a le Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous l'expliquera. Donc Jésus nous dira tout ce que fait Jésus, ce n'est pas de lui, c'est du Père. C'est le Père qui fait ses œuvres à travers Jésus. Vous voyez, il y a une phrase de Jésus très très claire quand il dit « Vous croyez que je suis venu faire mes œuvres ?» Vous vous trompez. C'est mon Père qui habite en moi, qui fait ses œuvres en moi. Vous voyez ? Ça, c'est exactement cela. C'est la même chose que fait le prêtre. Le prêtre, au moment de la consécration, ou au moment de tout autre sacrement, parce que c'est à travers les sacrements, mais l'Eucharistie, disons, et c'est très clair dans l'Eucharistie, quand le prêtre consacre, il y a deux mouvements. Le mouvement du prêtre, qui est un mouvement matériel, physique. Il prend, il élève, il parle, hein, l'hostie, avec le calice. Et l'œuvre de Jésus à travers lui, qui fait et qui opère la transsubstantiation de cette matière dans son corps et en son sang, son âme et sa divinité. Ça, c'est un acte divin. Ça, c'est un acte divin. L'acte divin qui est mené à bien à travers un homme qui a cette prérogative, par son ordination, hein, par pardonner les péchés. Pareil, c'est Jésus à travers le prêtre qui pardonne les péchés. Bon, et ce qui était le privilège du prêtre, maintenant, ce devient commun par tout le monde. Jésus veut œuvrer à travers les actes de la créature pour convertir, pour transformer les actes en actes divins, les actes humains en actes divins. Et cet acte permet une multiplication de la vie divine. C'est incroyable ce que nous disons. Je crois qu'on ne peut pas, arriver à comprendre ça. Mais c'est la réalité. Jésus nous l'a dit. On va continuer avec Jean. Jean 17, du 4 au 10.
Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Ici, il y a une immensité de choses que nous devons mettre en lumière. Tout ce que tu m'as donné, je prie pour ceux que tu m'as donnés. Je ne prie pas pour les autres, je prie pour ceux que tu m'as donnés. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Unité. Mais si on va un peu plus en haut, il dit, je leur ai manifesté ton nom à ces hommes que tu m'as donnés. Ils étaient à toi, mais tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole, parce que je leur ai donné ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. C'est clair. Parce que les paroles que tu m'as données, je leur ai données à eux. Donc, d'une manière un peu light. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Rien. Tout vient du Père. Tout vient du Père. Il mène à bien l'œuvre du Père. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation entre le Père et Jésus. Qu'est-ce que nous pourrions avoir encore? On va faire une petite méditation. On va réfléchir. La vie. Notre vie a son origine dans le non-être. Tout d'abord, nous ne sommes pas. Hein. Nous n'existons pas avant d'être engendrés. Quand nous sommes engendrés, hein, nous n'existons pas. La vie a donc son début dans le non-être physique. Tout vient de l'esprit. D'accord? Maintenant, tout ce qui est nécessaire pour arriver à être, est disposé, est donné. Et durant les 9 mois de gestation, quand nous étions dans le ventre de notre maman, notre mère, nous n'avons absolument eu rien à faire. Rien. Nous n'avons rien décidé. Ni la taille, ni la couleur de la peau, des cheveux, des yeux. Nous n'avons pas décidé de notre capacité mentale, de notre intelligence, de notre tempérament. Rien. Tout ce que nous allons devenir et être est disposé, nous est donné. Et donc, tout ce que nous sommes nous a été donné. C'est très simple. C'est pour cela que quand un enfant naît, qu'est-ce qu'il est? Rien. Moitié papa et moitié maman. Voilà, c'est tout. À partir de sa première respiration, il va commencer à former une vie propre, personnelle, c'est vrai, qui va continuer à se former au long des années jusqu'à sa mort. Mais n'oublions pas, au début, notre être propre n'a eu aucune activité, aucune ingérence, rien, rien à faire. Donc nous n'avons aucun mérite. Aucun mérite, pas d'orgueil à tirer. Moi, je suis ceci, moi, je suis très intelligent, moi, je suis très fort, moi, je suis très beau, ta-ta-ta. Non, non, non. Tout ça, c'est vanité des vanités. C'est vraiment la plus exquise, superbe. C'est orgueil, c'est l'orgueil de Satan. Hein? Nous tous, cet orgueil de Satan nous a été inoculé. Et je crois qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, et on se prend pour des merveilles. Bon, mais absolument rien à faire à partir de cela. Rien, ce n'est pas des mérites qui nous appartiennent. Nous n'avons aucun mérite. Posons-nous la question maintenant. Ça ne serait pas la même chose pour notre nature spirituelle? Ça, pour mon âme, mon esprit, qui sont créés par Dieu, qui ne viennent pas de l'homme, ils viennent de Dieu. Dieu nous aurait lancé dans le hasard, il aurait créé une âme, un esprit, il aurait donné trois puissances pour qu'elle se débrouille avec ça? Mais non, 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 non. Il y a beaucoup plus. Donc, si pour la formation du corps, nous n'avons rien fait, pour la formation de cette âme et de cet esprit, nous n'avons rien fait non plus. Ça, c'est le point de départ. Ça, c'est notre néant. Notre néant, voilà. Bon, les amis, on est resté juste au début, hein, on n'a que l'introduction, mais bon, on voit plus ou moins ce néant et ce silence intérieur que nous avons besoin pour justement arriver à cela. Il nous manque la partie qui touche à la transformation, parce que maintenant que nous sommes quelque chose, nous avons besoin d'arriver au point d'origine. Et ça, c'est la transformation que nous devons faire, et nous réservons cela pour le prochain programme. Alexandra n'était pas avec nous aujourd'hui, pour des raisons majeures, importantes, mais j'espère qu'elle sera bientôt avec nous. Merci Martita, et vous Paris, merci, et vous tous amigos, mes amis, au prochain programme. Au revoir.